Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Si vous avez déjà ressenti que la tâche de nettoyer votre maison était écrasante, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Alors regardez la vidéo jusqu'à la fin, aimez, commentez et partagez. Commençons par la première étape de notre mission de propriété. Alors il s'agit d'aspirer le sol. Si tu n'as pas d'aspirateur, prends le balai, balaye le sol pour qu'il soit juste propre. Ceci est un acte simple mais essentiel pour un environnement propre et sain. Quand vous balayez ou aspirez, la saleté disparaît en laissant derrière vous un sol immaculé et accueillant. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Voici mon profil. Là-bas, vous aurez les avant-premières de mes vidéos. Je vous partage quelques astuces et bons plans. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait juste plaisir de vous voir là-bas de l'autre côté sur Instagram. Maintenant, passons au mur. Le vinaigre de ménage que j'utilise, que vous avez certainement chez vous, est votre allié secret pour éliminer les taches et les résidus. Il redonne à vos murs un éclat d'origine et en rien de temps. C'est mon avis, testez l'astuce et donnez-moi votre avis en commentaire. Grâce à ce vinaigre, j'ai pu éliminer toutes les taches de graisse qui étaient derrière ma cuisinière qui traînait juste sur ce mur. Testez l'astuce et dites-moi en commentaire. Passons au nettoyage. Dans cette vidéo, j'ai utilisé un nettoyage à la vapeur. Donc, j'ai utilisé ce nettoyant à vapeur. Pour moi, le nettoyage à la vapeur est une méthode qui permet d'éliminer les bactéries et les saletés incrustées. Si vous n'avez pas de nettoyant vapeur, ne vous en faites pas. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, utilisez de l'eau chaude avec une serpillière de votre choix. En tout cas, ça marche super bien. N'oublions pas les petits détails en époussetant nos meubles. Dans cette vidéo, j'époussette le meuble d'entrée de chaussures avec le vinaigre ménagère. Cela donnera à ce meuble une apparence propre et accueillante. Passons au nettoyage de la plaque à induction. Si vous l'aviez utilisé, la poudre Ajax et le vinaigre de ménage avec juste l'éponge à vaisselle, frottez fortement. Cette astuce est infaillible pour éliminer les graisses ténaces. Si je l'avais connue depuis, je n'allais pas rayer ma plaque à induction. Vous verrez que la grosse plaque n'est plus neuve, elle a des rayures. Par contre, les deux petites plaques, voilà, sont juste neuves. Justement parce que c'est après que j'ai découvert cette astuce. N'hésitez pas à tester et dites-moi en commentaire.
Là, je viens faire ma vaisselle. Je vais le faire traditionnellement. Je vais juste utiliser mon liquide vaisselle pour nettoyer les verres et les plats. Et pour nettoyer l'extérieur de mes casseroles, je vais utiliser la poudre Ajax. La team, si vous voulez avoir une maison propre qui sent bon, je vous recommande de ne pas laisser les assiettes sales jusqu'au lendemain. Ça crée une mauvaise odeur dans la maison. En tout cas, moi, j'avais la flemme. J'ai pas pu le faire la veille. Donc là, je suis en train de le faire très tôt. Mais quand je me suis réveillée, voilà, le salon ne sentait pas bon. Il a fallu que j'aère tout le logement. Donc, j'ai aéré tout le séjour, j'allais dire, pour que je puisse avoir juste une bonne odeur naturelle de la maison. C'est pas évident. Je sais qu'il y a des jours où nous sommes fatigués. En tout cas, la bonne méthode est que vous nettoyez vos assiettes la veille avant de dormir. Souvent, je le fais, mais il arrive que j'ai la flemme. Et quand je n'ai pas la flemme, je le fais la veille et ça m'aide beaucoup. Le lendemain, ma maison ne sent pas bon. Voilà, tout est clean. Donc, ne faites pas comme moi dans cette vidéo. Si vous avez la force, faites vos vaisselles à la veille. J'ai fini de faire ma vaisselle, je vais nettoyer mon évier. Pour cela, j'utilise le vinaigre de ménage, le produit Sif et cette poudre à écureuil que j'avais acheté sur Amazon qui permet d'enlever toutes les taches noires, voilà, qui se collent à mon évier. Ça marche super bien, mais j'aimerais notifier que ça ne blanchit pas, ça n'enlève pas les taches de nourriture. C'est juste des taches noires qui se forment parfois avec la marmite quand je pose une marmite chaude dessus. Mais en tout cas, ça ne nettoie pas, ça ne blanchit pas en fait. Moi, pour blanchir, j'utilise un peu de Javel. Mais quelqu'un m'a montré une astuce, je vais vous la partager. Ça m'éviterait d'utiliser prochainement l'eau de Javel, de n'utiliser que cette astuce au cas où ça marchait. Donc je vais tester l'astuce, ensuite je vais vous la partager si ça fonctionne. Et enfin, nous allons couronner tout ce ménage en nettoyant le micro-ondes. Le micro-ondes peut rapidement devenir un amant à la saleté, mais ne vous inquiétez pas. Le vinaigre ménagère et le produit Sif feront les merveilles pour rendre étincelant et en un rien de temps votre micro-ondes. Alors regardez juste la vidéo. J'ai utilisé le vinaigre de ménage et un peu de produit Sif pour bien nettoyer. En tout cas, ça enlève les odeurs et les taches de nourriture parfois qui se collent au micro-ondes, à l'intérieur du micro-ondes. En tout cas, rien qu'avec les deux produits, sans mettre en marche le micro-ondes, ça aide, ça vous permet aussi d'économiser de l'électricité que vous utilisez pour nettoyer vos micro-ondes.
En tout cas, cette astuce fonctionne super bien. J'ai aimé, n'hésitez pas de la tester. Et voilà, grâce à ces étapes simples mais efficaces, votre maison sera maintenant un havre de propreté. Vous vous sentirez non seulement fier de votre accomplissement, mais vous vivrez dans un environnement plus sain et plus agréable. Alors, mettez-vous au travail et transformez votre espace en un lieu de sérénité, de beauté. Merci pour avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et de partager la vidéo. On se dit à bientôt pour plus d'astuces de ménage motivantes. Je vous aime beaucoup la team. Bye bye.